compatriotes moi yo, frères yo, sœurs yo. De 13 mars à jeudi 13 décembre, y a une transition qui est longue. Nous finalement arrivés devant un moment nous tapons en pile. C'est jouer l'élection eux-mêmes. C'est un jour important pour nous en pile. Qui donc, c'est pour nous tous répondre présent, jour dimanche 16 décembre, ça, Cap Vinla. Et nous présentons nous avec dignité, dans l'ordre, avec discipline, dans le respect que nous avons pour l'autre. Même si ce n'est pas même candidat ou gagné avec l'autre monde. C'est ça qui aurait la démocratie. Voter, c'est devoir tout peuple souverain. Là où vous votez, c'est un gros acte patriotique que vous posez. Puisque c'est là ça vous choisissez qui monde qui pourrait le chita dans le gouvernement, qui pourrait le ranger les affaires pays. Comme ça doit être d'après la Constitution et d'après la loi. C'est un gros travail puisque l'imande ou pour comprendre très bien à tête reposée qui ça vraiment qui n'a intérêt pays ou à. Faut qu'on réalise tout, c'est-à-dire faut qu'on comprenne qui ça qui possible à qui ça qui n'est pas ni possible ni faisable. Dans ce moment-ci, là, et ces décisions-là, on peut le prendre là, qui peut le décider comment payer ou à pied demain. Qui donc est important pour tout patriote conscient que tout bagaille bien passé dans l'élection. Ça va montrer tout le monde qui ne peut jamais croire dans le peuple là que nous sommes capables de mettre tête nous ensemble pour nous faire un travail démocratique. Et puis, tout avec moyen plan. Tout le monde croit que avec ça que patriotes nous tebanouan, nous pourtel malgré toutes difficultés, nous arriver te joindre sur route nous. Nous faisons travail là quand même, on travaille qui pas rien pareil dans toute l'histoire pays. Problème t'est sorti dans tout coin. Mes ententes, mes disant mal parlant, déception, politiciens qui chirépite, tri bob à bord. Ça qui fait manœuvre, problème économique nous gagnons, nous gagnons la misère, menace sous vie nous, ak sous bien nous, crime, etc. Tout ça montre clair. Que nous gagnons la foi dans le pays nous, pour nous arriver côté nous praler d'après sa loi à demander nous pour nous arriver faire élection. Ça, c'est dimanche 16 décembre que il va le fête. Il y a une date qui est importante en pile pour nous, il y a une date qui pourra marquer tout le pays pour la vie. Qui donc gagne un pile travail depuis la racine qui est pour faite. Et c'est comme ça que nous demandons pour nous réaliser l'élection, qui en premier pas qui est pour faite avant d'attaquer leur gros problème. Et comme c'était Wall Pam, pour nous capables de dire que ce n'est pas ça que nous faisons qui pour réaliser. Et dimanche 16 décembre, nous pourrons voter en toute liberté. Avec égalité, fraternité, sans personne, monde pas forcé l'autre monde à voter pour monde qui n'a pas voté. Et Constitution 87 là, ben nous yon conseil électoral provisoire indépendant qui relè chez maîtresse tête li, qui crée propre loi électorale li, de façon pour tout monde à voter avec confiance dans l'élection. Nous-mêmes, peuple, nous pouvons choisir qui citoyen avec équipe monde nous pensons qui est plus capable. Nous n'avons pas de mission, nous n'avons pas de mandat,
pour transformer le pays à gens que nous avons maintenant. Nous sommes capables de dire tout que l'armée a fait possible et avec honneur. Jusqu'à présent, la travail pour bâtir sécurité, pour vivre avec bien nous. N'a pour été chapeau devant tout secteur dans le pays qui travaille dur en pile pour bâtir support dans l'organisation élection. Nous gagnons les gens qui sortent dans tout le pays sur la terre, qui viennent bâtir nos coups de main. N'a pour remercier yo on l'autre fois encore. Yo viennent assister le pays pour nous capables de déraper dans la démocratie. Alors, frères, sœurs, compatriotes, nous pouvons montrer tout le monde sur la terre, que nous, mêmes haïtiens, nous sommes capables de mettre nous ensemble pour nous faire force pays, une force qui est nécessaire pour nous bâtir un pays, Jean nous t'arrête maintenant. Merci. En pile, l'Éternel avec nous. Peuple haïtien, au terme d'une longue transition, vous êtes enfin arrivé à l'étape ultime, l'heure des élections. Elle est solennelle. En cela, elle requiert votre participation massive dans l'ordre, la discipline, le respect de la différence, la tolérance et la modération. Le vote est un devoir civique, un droit que vous confère votre appartenance à un État souverain. L'exercice de ce droit, qui est un acte de haute portée patriotique, sera la manifestation la plus concrète de votre ferme volonté de doter l'État de nouvelles structures et de faciliter le retour progressif de la nation à une vie constitutionnel normal. L'enjeu est de taille. Il exige de votre part une forte dose de sérénité, un sens aigu des vrais intérêts nationaux et un réalisme politique sans faille. De ce verdict électoral dépendra votre avenir. Les représentants que vous allez choisir seront des initiateurs des grandes réformes démocratiques que vous appelez de tous vos voeux. Le succès de ces élections est une nécessité impérieuse, une obligation civique que nous devons tous nous imposer par patriotisme et par souci du bien-être collectif. Il constitue également un défi que nous devons relever afin de faire mentir les sceptiques qui n'avaient jamais cessé de manifester des doutes quant à notre capacité de doter par nos propres moyens notre pays d'institutions démocratiques viables. Le scrutin du 16 décembre aura marqué une date que l'histoire qualifiera d'extraordinaire. Nul doute, en effet, que les élections voulues par notre patriotisme, dont vous m'aviez confié la gestation dans des circonstances où tout menaçait de les faire avorter, constituent une performance sans égale dans la trame de notre histoire de peuple. À travers les contraintes de toute nature, les incompréhensions les plus amères, les déceptions les plus cruelles, les convulsions sociales de la dernière pauvreté, les répugnances de la plus abjecte corruption, les orages politiques les plus déconcertants, les déchirements économiques les plus lancinants, les menaces les plus macabres à la sécurité des vies et des biens, les attentats les plus odieux, les manœuvres de déstabilisation et de ruine les plus déroutantes,
Il nous a fallu une foi capable de transporter les montagnes pour arriver sans mesure dictatoriale au scrutin du dimanche prochain. Dans ce pays, tout est à faire et tout reste à faire. Or, tout ne peut être fait qu'en remuant les racines les plus profondes dans tous les domaines. Vous le saviez, chers concitoyens. Aussi, ce que vous m'aviez particulièrement demandé, c'était de réaliser les élections. Car à la réflexion, les élections sont le point de départ obligé, le premier pas absolument requis, la condition sine qua non pour nous attaquer ensuite aux autres problèmes. Mais le processus électoral lui-même était à structurer de fond en comble. J'ai partagé la même conviction que la nation entière. Il faut premièrement choisir et mandater les citoyens et les équipes les plus valables à qui seront confiés la mission et le soin d'entreprendre la transformation du pays. L'organisation des élections apparaissait donc comme la transformation préliminaire et indispensable dont il fallait doter le pays pour prétendre faire œuvre qui vaille. Nous nous devons de rendre un hommage mérité aux forces armées d'Haïti, dans le souffle de l'honneur et du devoir, dans le sens de la sécurité généralisée, apparaît dans les rangs de nos officiers, sous-officiers et soldats sur toute l'étendue du territoire. Nous rendons également hommage à tous les secteurs de la vie nationale qui ont supporté ce processus et qui ont soutenu nos efforts en vue de mettre le Conseil électoral provisoire en mesure d'organiser ces élections, lesquelles demeurent l'expression de la plus grande solidarité internationale manifestée par l'appui matériel, technique et moral. Il convenait, en vérité, que les nations de la Terre fussent présentes par leurs nombreux représentants pour voir de près et apprécier comment Haïti s'y prend quand il s'agit de sa naissance à la démocratie. À ce réconfort que nous apporte la grande solidarité internationale, sachons prouver, frères et sœurs bien-aimés, notre dignité et notre aptitude à conférer à Haïti une place prestigieuse dans le concert des nations démocratiques. Que vive la nation grâce à la vaillance de ses fils, de ses filles. Bonne chance à tous. Que Dieu protège Haïti. Merci.